Salut tout le monde, c'est Paulosh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog qui est plus calme que celui de tout à l'heure, qui est celui de qui était celui des cascades. Et on est dans le village de Gourdon. Donc on a une vue imprenable sur les autres villes, surtout sur les montagnes. Et tout au fond, il y a la mer Méditerranée. Désolé s'il y a de la brume, car j'ai pas pu trouver une autre météo. Tout là-bas, il y a le cap d'Antibes. Donc ici, vous pouvez voir un viaduc. Désolé pour le bruit, c'est un brumisateur derrière moi. Voici la preuve qu'on se trouve actuellement à Gourdon. Alors, ce truc, c'est une statue. Je me rapproche pour que vous voyez mieux. Perso, je la trouve horrible, mais les architectes, ils font ce qu'ils veulent. Donc, la particularité de Gourdon, c'est que c'est une ville un peu médiévale. Il y a des fleurs un peu partout, il y a la statue moche. Il y a une toute petite rue. Il y a encore des fleurs, mais je vous ai dit, il y en a partout. Donc là, il y a un bâtiment. Il y a quelques magasins. Par exemple, là, il y a un magasin de lavande, je crois. Donc ici, il y a un très beau clocher avec une horloge, on dirait Big Ben. Avec la porte. Et l'église, elle a l'air assez médiévale vu les constructions. Et par contre, le lavabo, je trouve ça hyper marrant. Regardez! Donc quand je vous disais qu'il y avait des rues toutes petites, c'est pas pour blaguer. Petit truc à savoir sur mes deux vlogs, je ne suis jamais allée à ces endroits. Je découvre. Et ma mère me dit des choses par rapport à ces endroits que je peux vous raconter. Ce bâtiment est vraiment joli. En plus, il y a une cigale sur le volet. Donc, les rues sont vraiment, vraiment petites. Il y a des petites rues comme celle-là. Et des un peu plus grandes comme celle-là. Ces fleurs sont très jolies. Par contre, les épines, j'ai l'impression qu'elles piquent. Les feuilles, j'ai l'impression qu'elles piquent. Cette rue est mais c'est la meilleure, elle est en pente. Ici, il y a une sorcière. Les portes sont vraiment très belles. Il y a un papillon ici. Je sais pas si vous le voyez. Vraiment joli. Là-bas, il y a la montagne. Et le toit, je le trouve vraiment drôle. Il y a un nid d'aigle. Il y a une statue d'aigle sur le toit. Moi, si je vivais ici, j'aurais trop peur que ça tombe. Donc là, je me suis déplacée avec ma mère à un autre point de vue. Là-bas, il y a les montagnes. Et ici, il y a le nid d'aigle que je vous ai présenté il y a 2 secondes. Et il y a une vue imprenable sur tout Antibes. Et toute la plaine. Ici, il y a un bel écusson avec un lion. Et ça s'appelle le nid d'aigle en belle écriture dorée. Et il y a une girouette aigle et une statue d'aigle.
52 millièmes marche. 53 millièmes marche. Oui, je sais pas compter. En fait, ce qui est bien avec cette ville, c'est que c'est perché tout en haut de la montagne. Et du coup, ça monte tout le temps. Du coup, bah, tu fais ton sport. Ici, il y a des chèvrefeuilles. Il paraît que ça sent super bon, du coup, je vais sentir. Ah ouais, c'est vrai, ça sent ultra bon. Ici, on a une statue de vache. Donc, ici, il y a poterie de gourdon. Donc, il y a gourdon et il y a aussi des poteries. Et surtout, c'est joli. Ok, des fois ça monte, mais là ça descend. Youpi! Je vais faire gaffe à pas me prendre le mur. Ici on a de très belles montagnes. Et écoutez, on entend même le cigale. Donc les cigales là, on les entend vraiment bien. Donc écoutez les gars, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, à la partager sur le réseau, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la chaîne de mon pote HM YouTuber, c'est mon pote Hugo. Donc c'était un live, un vlog de gourdon. Donc c'était Poloche, à plus.